Nang's Reborn. Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nang's Reborn. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, c'est tout. Toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don, vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Wow! Qui d'entre nous est le plus bon? Mais où est le faux ami? FB? Hollande? Comment tu vas faire pour savoir si tu n'as pas posé d'action? Waouh, mes frères et sœurs, bienvenue! Bienvenue sur Nang's Reborn et c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous voir sur notre chaîne YouTube où vous pourrez regarder pas mal de vidéos et cette vidéo aura sa suite. Nous allons faire la deuxième partie où nous allons parler de comment détecter les vrais amis. Donc pour l'instant, parlons un peu des faux amis. Mes frères et sœurs, qui n'a pas d'amis ici? Qui n'a pas d'amis ici? Qui n'a pas de camarades? Voilà. Tout le monde a un ami. Vous avez un ami, vous avez un camarade, quelqu'un même qui est un confident, quelqu'un que vous appréciez beaucoup, peut-être une aide, toutes ces histoires. Mais quand on parle de faux amis ici, de qui s'agit-il? De quoi s'agit-il? Ah! Pour bien comprendre cette histoire des faux amis, ou encore de faux amis, nous allons tout simplement vous raconter ce témoignage-là. Après ça, vous-même, vous allez comprendre facilement qui est-ce qu'on appelle un faux ami. Soyez prêts, ça va être chaud. S'il te plaît. Oui! Chez nous, on est en joie, hein? On est chaud, on est chic ici. Et puis, on s'abonne dessus cette vidéo. On s'abonne. On laisse des j'aime quand on est touché, ok? C'est parti. Vous avez déjà le jeu. Let's go. Voici le témoignage qui va nous permettre tout simplement de comprendre de quoi il s'agit ici. Il s'agit tout simplement d'un homme qui, sur la terre, avait qui? Un ami. Et cet ami-là, il appelait son meilleur ami. Et les deux partageaient tout ensemble. Ils étaient bien. Ils étaient une famille. Il le prenait même comme un frère. Parce qu'à un moment donné, un ami là, ça devient un frère. Oui, même bien plus qu'un frère. Un ami peut vous rendre des services que un frère ne peut même pas vous rendre. Et c'est ce qui va se passer ici. À un moment donné, l'un des deux amis va voyager. Il va aller en Europe. Où il va connaître un succès dans ses entreprises. Et tellement il aura beaucoup d'argent, il va décider d'être intelligent. Comment il va faire? Quand on dit quelqu'un intelligent, là, quand il a l'argent, là, c'est quand il investit. Il va décider de faire quoi? Investir dans son pays. Ah bon? Sérieux? Oui! Et comme il devait revenir ou encore retourner dans son pays, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé d'informer son meilleur ami de sa venue ou encore de son arrivée dans son pays, de sorte que son ami l'attende à l'aéroport et qu'il puisse vaquer à leurs occupations facilement. Voici que l'ami qu'il appelle son meilleur ami là va comploter sur son dos, va faire un complot avec tous ceux qui vont être présents lors de ce voyage, en particulier le chauffeur ou encore celui qui conduit, le conducteur du taxi. Hey, il va comploter, il va dire au conducteur du taxi que il y a mon meilleur ami qui arrive. Je vais faire un coup, il faudrait qu'on soit ensemble. Si tu as réussi le coup, voici telle somme tu auras. Et ils ont fait le contrat. Ah!
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut faire quelque chose de mauvais à son soi-disant bon ami qui arrive de l'Europe avec quoi? L'argent. Ça veut dire que l'argent qu'il a dit seulement à son ami là, avec la forte somme d'argent mais qu'il envoie là, ça l'a traumatisé au point où des mauvaises pensées sont entrées en lui. Il a commencé à comploter ou encore faire des mauvaises choses. Quand quelqu'un se conduit comme ça, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit de lui? On dit que l'esprit de Satan est entré en qui? En lui. C'est la même chose comme ce qui s'est passé avec Judas dans la parole de Dieu. Ce qui s'est passé avec Judas dans la Bible, ça peut nous arriver à nous tous. Il y a beaucoup de personnes qui disent, oh non, si eux ne pouvaient pas faire comme Judas. Mes frères et sœurs, cet homme-là, il a fait comme Judas. Judas là, c'est l'esprit de Satan qui est entré en lui. C'est à cause de ça. Après là, il a regretté, non? Il a regretté pourquoi? Parce que l'esprit de Satan s'était maintenant retiré de lui. Et il s'est donné la mort plus tard. Ah, vous voyez? Ici, l'esprit du diable va tout simplement entrer dans ce dernier. Et vous allez voir ce qu'il va faire. Quand son ami va venir, il va bien l'accueillir. Et son ami va même lui donner quoi? Beaucoup d'informations sur ce qu'il a vécu là-bas. Ou dans le taxi. Et pendant qu'ils étaient en train de causer ou encore d'échanger, voici que, à un moment donné, le chauffeur va garer le véhicule. Et il va faire semblant comme s'il y a panne dans le véhicule. Voici que les deux amis, puisqu'ils ne pouvaient pas rester dans le véhicule pendant ce moment, ils sont sortis de ce véhicule pour essayer de voir ce qui n'allait pas. C'était la nuit, c'est pas la journée. Et voici que, dès qu'il est sorti de ce véhicule, son ami qui se trouvait dans son pays qui l'attendait là, il a fait sortir un revolver et il a braqué ce revolver sur lui et lui a demandé de lui donner sa mallette remplie d'argent. Ma mallette remplie d'argent, j'ai travaillé dur pour avoir mon argent là. Toi, tu me dis, je t'ai donné. Tout de suite, il a dit, non, c'est de la blague. Il dit à son ami, non, c'est sûr que c'était un prank. Tu as fait un prank, tu as me blaguer. Il dit, ce n'est pas un prank. Donne-moi cet argent là tout de suite. Quoi? Eh bien, de quoi tu parles? Tu m'envoies où? De quoi tu parles? Ah! Il dit, je ne suis pas en train de te blaguer. Si tu ne me donnes pas cet argent là, toi, tu vas voir ce qui va t'arriver tout de suite. Au moment où ils étaient en train de trop discuter là, il a tiré sur le pied de son ami. Son ami est tombé. Tellement ça lui a fait mal, il ne pouvait plus tenir la manette d'argent. Voici, il était en train de tenir quoi? Son pied, en train de crier. En train de crier là-bas. Ah! Oh! Mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu es mon ami, non? Tu es mon meilleur ami, non? L'esprit de Satan est entré en lui. À ce moment où je te parle là, il est devenu le faux ami. Ça veut dire quoi? Que nous tous, nous devons être prudents. Les amis là, peuvent se transformer à un moment donné en faux amis. C'est pourquoi il ne faut pas se confier en l'homme. Il ne faut pas dire tout son secret à un homme. Sinon, il ne faut pas être étonné qu'un jour, ton secret là, ça se retrouve chez les voisins. Mais c'est la vérité. Vous voulez que je dise quoi? Mes frères et sœurs, c'est une histoire tragique. Et voici que son ami est couché là, à terre, en train de souffrir parce qu'on lui a tiré dessus. Pendant ce moment-là, pendant ce temps-là, lui, il a pris ce véhicule, il a pris la mallette avec le conducteur de taxi et ils sont partis, laissant ce dernier dans la souffrance. Oh, mes frères et sœurs, comme l'homme mauvais, quand l'homme habité par un mauvais esprit, voici ce que ça donne. Dieu merci! Comme Dieu ne dort pas, quand tu veux faire du bien à quelqu'un et puis il veut te faire du mal, Dieu, lui, il est là, il voit tout. Dieu va faire quelque chose. Comme c'est sur la route de l'aéroport, là, il y a beaucoup de personnes qui passent. Même, il y a des blancs qui passent souvent. En fait, des personnes qui quittent, d'autres personnes qui quittent en voyage, qui viennent. Voici qu'une famille de blancs,
ces Espagnols comme ça. Ils venaient et ils ont vu un homme en train de souffrir, en train de mourir, si on peut le dire. Du coup, Dieu merci, ils ont vu. Ils se sont tout de suite arrêtés. Ils lui ont porté secours. Ça, on appelle ça comment? Comment on appelle ça? C'est ça là. C'est action de qui? Ça, on appelle ça un bon ami. Il vient pour aider, pour secourir. Bon, on va parler de cela dans la prochaine vidéo, dans la partie 2. Soyez prêts, vous allez voir la vidéo, elle va venir tout de suite. Mais c'est incroyable, mais c'est impossible. Comment ça se fait? Dieu a envoyé quelqu'un même qui ne connaissait même pas, une personne même, il ne s'attendait même pas à la personne. Et voici que cet homme, ou encore cet homme avec sa famille, parce qu'il était avec sa femme et ses enfants, ils ont pris ce dernier, ils l'ont mis dans le véhicule tout de suite à l'hôpital. Il est resté à l'hôpital là-bas pendant un bon moment. Pendant qu'il était à l'hôpital, celui qui l'a amené à l'hôpital là, ce blanc là et sa famille, il venait de temps à autre pour voir son état, comment il se portait et tout ça. Il n'aimait pas, il te connaît même pas, ce n'est même pas ton parent. Et regardez ce qu'il pose comme action. Comment on appelle ça, mes frères et sœurs? Ça, c'est bon ami. Franchement, moi-même, je laisse un indigène pour ce dernier. Que Dieu te bénisse, mon frère. Hein? Plus tard, Dieu merci, il s'est rétabli. Il pouvait même marcher. C'est comme si de rien n'était. Dieu l'a guéri. Et voici qu'il va maintenant expliquer au blanc ce qui s'est réellement passé. Et comme ce blanc, ou encore comme ce dernier, a des relations, il va décider de faire quoi? De rentrer en contact avec ses amis dans le pays. Et voici que ils vont réussir à attraper son ami qui a tenté de lui faire du mal. Et ils vont le mettre en prison. Et un jour, ce tenet qui voulait mourir là, il s'est rendu où? À la prison là-bas pour voir son ami. Selon vous, pourquoi? Il voulait vraiment savoir ce qui s'est réellement passé, qui se conduit ici. En ce moment-là, l'esprit du diable était quitté en lui, en son ami là. Il faut le voir en train de se lamenter là-bas. Ah, franchement, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et puis, je me suis conduit ainsi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Et puis, je me suis conduit ainsi. Pardonne-moi. Il lui a dit, tu es mon ami. C'est pas aujourd'hui on se connaît. Si tu as besoin d'argent, tu peux m'en demander. Je vais t'en donner. Mais pourquoi tenter de m'ôter la vie pour de l'argent? Pourquoi? J'avais de bons projets pour toi. J'avais prévu ceci, j'avais prévu cela pour toi. Même t'amener même chez nous là-bas en Europe. Et voici que tu as tenté de m'ôter la vie. Et tu es en prison. Ah! Mes frères et sœurs. Selon vous, que va-t-il se passer par la suite? Réagissez dans la partie commentaire. Si vous étiez à la place de ce dernier, comment allez-vous réagir face à votre ami qui a tenté de vous assassiner? Comment allez-vous réagir? J'attends vos commentaires. Si vous êtes touché, laissez un j'aime et abonnez-vous en dessous de cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche parce que nous allons faire maintenant l'autre partie où on va parler maintenant des faux ou encore des vrais amis. Voilà, là ce sont des vrais. On n'a pas eu des faux ici, on va parler maintenant des vrais amis. Comment les reconnaître? Vous allez tout savoir et assurément, ça va vous aider. Soyez prêts. Sautez un peu. Dieu l'a guéri. Waouh, franchement, moi je n'aimais pas avoir de tels amis. Ça m'est déjà arrivé moi aussi. J'ai mon histoire. Un meilleur ami. Ça. Tout le monde a quelque chose à dire là-dessus. J'attends d'abord votre réaction et puis on verra si on fera une deuxième partie de faux amis. Et vous allez comprendre. Ça va être chaud. Mais qui est le vrai ami ici, Seigneur Subon? Qui est le vrai abonné?
nous allons aussi voir qui sont les vrais abonnés ici ou encore les faux abonnés. Ça va être chaud, let's go.